est reparti pour notre aventure. Alors, 8 sur 9 en bravoure, on a 3 bonheurs, très bien. Enfin, 13, pardon. Et on aura 15 le prochain, donc ça c'est très très bien. On est en train de blanchir du bois, du bois qu'on a volé. Je sais pas exactement l'utilité pour le moment, j'imagine que les soupçons descendent plus vite. En tout cas, on est parti pour notre mission. Donc on voudrait aller, on voudrait faire ça. L'escouade, 125. Donc on y va. On a un peu de soupçons, on est à 68 pour le moment. On va peut-être pouvoir voler des trucs. Encore un peu. S'il y a des choses intéressantes, genre rien du blé, ça serait intéressant. Comme ça on peut faire des pains. Les petites choses. Oh, inspecter. Tiens, c'est nouveau ça. Le cadavre est affreusement mutilé par endroits. Seul un animal féroce serait capable d'arracher de si gros morceaux de chair. Encore. Ah, attends, il y a un truc là? Non. On va voir l'écurie. Ça, c'est nouveau ça. Ça c'est pour les chevaux. Besoin d'un nouveau compagnon? Non, ça ira. Ça c'est combien? Ouah, non! Non, non, ça va. Une bête féroce. Est-ce qu'il y aurait une bête qui se balade là-dedans? Parce que... Est-ce qu'il y aurait une bête qui se balade là-dedans et on pourrait la chasser? Ça pourrait être intéressant aussi. Puis ça nous fait de la nourriture facile. Ah, si c'est... C'est quoi ça? Ah, des voleurs, ok. Tiens, niveau 1, combat, attaque surprise, nickel. Nickel, nickel. J'aime bien en fait le fait de... Comme j'ai dit, hein, j'en ai déjà parlé. Des gens ils disent qu'ils préfèrent des fois que tout scale et tout ça. Comme ça on tombe pas dans des guet-apens et tout ça. Mais honnêtement le jeu est très très bien fait dans ce sens là. Où il y a très peu de chances que vous fassiez un truc mauvais en fait. Ce qui peut mal se passer c'est les combats à la limite. Mais après, tout ce qui est sur la carte du monde, honnêtement, ça se passe bien parce que tout le jeu va vous expliquer en fait vraiment en avant ce qui va se passer. Donc ça, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Ah, et bien fait surtout. Parce qu'il y a plein de jeux où, comme ça qui se veut RPG et tout. Et honnêtement, c'est... Alors bonjour, vous voulez... Je sais pas, genre, vous voulez nous aider et tout ça, vous faites oui, et au final, vous les aidez pas, ou des trucs comme ça. Des fois, c'est tellement mal fait. C'est qui va jouer? C'est toi. On peut tracer dedans et... On peut faire ça. Ok, parfait. Il y a le sang qui me suit. Non. Après, je pourrais le provoquer, mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser ma bravoure. Faire.
Ah merde, ok. Ah, mal calculé. Je fais ça en fait pour le provoquer. Ah bah tu chiens, j'ai un nez. On peut le tuer. Non. On peut le tuer. Alors, fais voir. Nickel. Oh. Désolé. Désolé, c'était pas prévu. Petit poney. Oh la vache, même le poney le défaut. C'est marrant. Vous êtes à niveau 2 de la voie crime et chaos avantage accès au contrat d'assassinat du tableau de Primo. C'est une bonne récompense. Là c'est de la bonne récompense pour peu de boulot en fait. Peu de prise de tête. Le père Wilbird. Je me rappelle plus ce qui se passe avec lui. Alors, on l'avait aidé, elle, je crois. Grâce à vous, nous avons un toit sous dessus de la tête. Ouais, 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 d'accord, c'est elle qu'on t'avait aidé. On va voir si on fait ça. Zéro. C'est qui doit déverrouiller les serrures avancées. Ben. On a empalement. Là, tu ne veux quoi? On a de la viande. Là, c'est elle qui nous. Je crois que tu nous avais donné la recette au mouton. Je crois que c'est ça. Tu veux pas venir avec nous, toi? Enfin, quoique, on a déjà. Du raisin. Non, c'est bon. On n'a pas besoin de. Bon, on a une clé, je sais pas à quoi elle sert. Je sais pas du tout à quoi elle sert. Faudrait la mettre dans le coffre, tiens, au camp. Hop. Juste au cas où. Ah, on a la pêche qu'on peut faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. Ça fait un petit moment. Ouais. Vu que là maintenant il n'y a plus de d'endroits dans les étangs en fait, au bord des rivières et tout ça. Par contre les cabanes de pêche semblent être l'endroit où on peut vraiment tout le temps pêcher. Enfin, il faut revenir plus au bout de quelques jours je crois. Mais ça semble être l'endroit où on peut le faire quoi maintenant. Enfin, on a plein de brochets, il faut qu'on apprenne la recette là des brochets cuits. Pas mal. Alors, par là-bas, comment on fait? Comment on rentre? Oh, la mine! Pour le métal. En fait, faut refaire le tour hein, des choses comme ça. Il y en a un autre ou pas? Non.
Ouais, faut qu'on... Faire attention à la loi. Enfin, on n'est pas soupçonné, donc ça va. Je sais pas si on prend le meilleur chemin là. Oh, il y a des bandits là. Oh, il y a deux groupes. On pourrait camper ici. Et alors, 2%. Ah, attends. On a encore un peu d'endurance. Yes, nickel. Nickel, 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 nickel. Quoique non. Après, on va commencer à faire de l'équipement et tout. Alors, fais voir. Potage de brochet. Hein. Trois de bonheur. On a deux personnes. Deux personnes, donc on monte à 15, là ça fait 1, avec l'ours ça fait 2, très bien. Ok, on est bien, on peut se s'équiper et aller combattre les gens là. Ça va. Alors un bœuf. Ah, il faut vraiment les perches là, on en a plein. J'essaye à chaque fois de les mettre de côté pour pas les utiliser, mais. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué même. Ça fait deux haricots de mouton. Héricots, pardon. Héricoque. Hop. Nickel, se reposer. Là, on est à 15, on a récupéré notre expérience. Ok, nickel. Ah, tu veux quoi, toi? Me dis pas que ça doit être un... C'est un truc de merde. Jamais je ne ferai arrêter pour vol, je suis bien trop discret avec moi. Nous courons aucun risque, car non seulement je suis doué, mais je sais parfaitement où m'arrêter. Se moquer gagnera le statut imprudent. Se convaincre, rechercher moins 50. Persuader que voler n'est pas si grave. Obtient donc moins 50, c'est pas mal ça. Potion avec les compagnons, un tel talent doit être célébré. Ah. La relation avec les compagnons, ça peut être. Je sais pas en fait ce qui va se passer avec la relation avec les compagnons, mais je pense que ça peut être intéressant. Là, on est déjà à 9 sur 9, donc je pense pas que ça soit vraiment utile. Plus d'influence, ça serait intéressant, mais la relation avec les compagnons, je sais pas. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça peut devenir en fait après. Donc à la limite, je sais pas. Enfin les compagnons proches. Oh, t'as aucun compagnon proche en fait. Ah non mais en fait ça marche pas je crois. En fait il faut avoir de bas genre plus 1. Et tout ça. Et après si on gagne un plus 1, et ben du coup ça se passe mieux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait inutile. Parce que lui, il est proche de personne pour le moment. Donc se convaincre. Ok, bah nickel. Nickel, nickel. Ouais, je pense que ça marche comme ça en fait. C'est tout bête. S'il y a pas de. Si on n'est pas proche de base, bah ça sert à rien en fait, le plus 1 et le moins 1. Voilà. C'est pour ça que par exemple, on a 8, il faudrait qu'il lui ait un plus 1, comme ça enlève les mauvaises. Le moins 1 qu'il a. Allez, on est parti. On est parti. C'était de quel côté? Ah, c'était là. Donc on a deux groupes de bandits, il faut faire attention. Il y a un groupe qui est assez large.
Mais ramasse! T'es sérieux là? Ok. Ok, on les a pas eu. Je crois pas qu'on... Oui, on peut pas faire du surprise. Par contre, ça, c'est un autre groupe. L'air plus large. Ok, deux... Oh, putain, il y a des artificiers. Non. Ok. La dernière fois, les artificiers, ça nous a coûté un sanglier, quand même. Hein. Mais bon, là, au moins, on les voit. Alors. Un archer là... Ok, deux archers là, ça marche. On va pouvoir plus ou moins les maintenir. La chef, elle est là. On a une lance ici. Je pense que là, on va faire les animaux. Will, il va faire des brochettes. Will qui fait des brochettes. Les animaux qui engagent aussi. Il faut qu'il mette du poison. L'artificier va jouer en premier. Non, attends, si je te mets là... Son mouvement est un peu bas. Il a plus de mouvement, donc je peux pas me permettre de me louper. Ça l'a pas engagé. Merde, ça l'a pas engagé. Ah là là, ça l'a pas engagé. Oh, je fais de la merde. On a un très mauvais départ. Super sur le poney. Oh, bien sûr, que sur le poney en plus. Très bien. Aïe, 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 aïe. Faut qu'on prenne le... Lui avant qu'il nous prenne. Ok, très bien. Comme ça, on fera pas d'autres feux. C'est pas grave, on est obligé de prendre. Non, il m'a forcé. Putain, quelle merde. Il m'a forcé, bien joué. Je déteste ce truc. Ah, ils sont horribles, hein, ceux-là. Que sur le poney, vas-y. Yes, ok, ça marche. On va pouvoir le soigner le poney en une fois, on va lui enlever le feu. Ah, mais il va foutre le feu à lui. C'est un problème, ça.
C'est un problème, lui il va foutre le feu à quelqu'un d'autre. Aïe 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 aïe. Ciblage. Non, lui aussi il va brûler, c'est bien. Enfin, sauf s'il bouge avant. On va lui faire des dégâts. Ça commence, du feu partout. Ah oh oui, sur l'archer. Yes, vas-y. Oh, massacre-le. Ok. On a une bonne chose de fait. Gage. Haha. Je pensais qu'il était trop loin, mais au final non, ça va. Il y a l'archer, il faut qu'on se fasse l'archer. Je vais voir l'archer. Ok. Putain. Alors. Bien. On va se mettre à côté de lui. Ok. Donc faut aider le poney et l'aller. Le poney. Oh le poney, mais pas du feu à tout le monde. Non, oh, non. Non, j'ai annulé le tour, mais quel con, je voulais soigner. Oh non, je suis un débile, quoi. Oh, je voulais soigner, mais quel gros con que je fais, moi, des fois. Complètement débile. Complètement débile. Surtout que c'est complètement inutile, maintenant. C'est vraiment... Ah, ça me prend la tête de faire de la merde comme ça. Vraiment nous foutre dans la merde l'autre. Pas mal.
tout le monde va prendre feu. Commencez à recler avec deux alliés, une unité alliée déjà engagée, vous tenez un bonus. Oui, ça, sur ça, on connaît. On va voir si je peux le tuer ou pas. Ouais. T'as quoi, t'as 4 points de vie. Oh la vache. Genre la fumée apparaît et il se prend une coup de masse dans la tête. 42. On peut... Non, c'est bon. 35 points de vie. Est-ce qu'on peut tuer directement ou il faut soigner? C'est qui va jouer après? C'est le l'ours. L'ours, il est pas en feu, donc ça va. Attends, parce que je voudrais garder mes points, donc fais voir si je fais ça. 21. Hop là, 27. Très bien. Je voudrais garder mes points de réserve en fait. Du coup, je préfère engager d'abord. Comme ça, on gagne un point. Lancer de hache. Voir un peu l'état des lieux. Volonté réduite de moitié. Dégâts réduits de moitié. Ça va. J'ai terminé la mission, ça marche. Là, il y a quelque chose là, mais... Bon, on a l'autre groupe de voleurs, mais ils ont l'air un peu comac en fait. Donc je sais pas si ça vaut le coup de se lancer. Si on les prend par surprise, je sais pas où ils sont partis par contre. Non, je vais bien... Oh mon dieu. Ben voilà, on les a trouvés. Là, y a rien au phare. On les a trouvés. C'est bien de les prendre par surprise en fait. Non mais là il y a des archers encore artificiers honnêtement. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. C'est quoi ça? Pénurie de forge. J'ai pas envie de me prendre la thèse qu'on est déjà abîmé et tout ça, c'est relou. Je vais juste voir la ferme un peu et après on peut se reposer. Alors, côte de loup à la bière. Ça nous fera un repas. Passer résistance, mais quand même tuer notre petite Lucia. Son père a perdu l'esprit et lancé la poursuite. Donner le médaillon de Lucadon. Ah, ah oui, 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 oui. Attends, c'est Kiri qui l'a. Ah, je savais bien qu'il fallait y retourner un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous avez ramené le pendentif de Lucilla?
Vous ne pouvez pas imaginer que cela représente pour moi assez infiniment. M'aurait-il bien, mais voilà tout ce que j'ai accepté. Ça va, merci. Ma toute petite Lucilla, que l'œil veille sur toi, mon ange. Oh, c'est triste. Alors, fais voir un peu. Merde. Ok. Ça, c'est pas du vol, par contre. Ça, c'est cool. Il n'y a rien d'autre. Nickel. Ça nous fait un peu bouffer et tout ça. Donc, on est à 15. Très bien. Alors, je crois qu'on a assez de bois maintenant. Il faut sortir le bois de là. Ça, on va le manger de toute façon. Alors, yes. Hop là! Alors. Alors ça sert à quoi? Vous avez débloqué le titre artisan, polyvalent, avantage, gain d'expérience de chaque métier. J'ai pas le temps de lire les gens là. Alors reconstitue des antiquités trouvées dans les tombeaux des anciens pendant le repos, augmente votre connaissance pendant le repos. Okay. On n'a pas d'antiquité pour le moment donc. Ça va. Par contre, on peut mettre donc on peut assigner quelqu'un à ça. Il faut assigner qui? Érudit. Ok, on n'a pas d'érudit. N'a pas d'érudit, mais au moins on a fait ça, c'est bien. Ça fait de l'expérience et tout. Nickel. Bon, bah on a une. Ouais, on est bon là. Dégâts critiques augmentés de 20%. C'est un peu embêtant parce que pour le moment on fait des allers-retours un peu souvent entre la ville principale. J'essaye de les éviter le plus possible, mais ouais, ça c'est compliqué quoi. Est-ce qu'on a à manger? Non. En fait, le problème, c'est que c'est très long de développer des choses. Donc, du coup, bah, ça prend du temps. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas besoin de la merde. Voilà. Pas besoin de bonheur. Lui, il est en train de blanchir la clé, je sais pas vraiment à quoi ça sert, on s'en fout. On est bon là. On est bon. Voilà, 9 sur 9. Et heureux, très bien. Lettre portant le sceau de l'université est parvenue. Commanditaire vous attend au poste frontière d'Edoran. Ça marche. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est. On va devoir rentrer. On va passer par là, peut-être pour combattre des trucs. Mais on va rentrer doucement. Parce que il nous faut des vivres.
On dirait que ça c'est des esprits ou des trucs comme ça. Ça sera pour plus tard, je pense. Ça sera pour bien plus tard. Ah, peut-être qu'on peut suivre les traces de sang. Ah, attends. Ah, je crois que c'est ça le but. Suivre les traces de sang. Ah mais attends, peut-être qu'on devrait se soigner déjà. Et après on repart pour suivre les traces de sang. Taverne. On a du facile et facile. On a une troupe de Marisolt et l'escouade de Fulus. Une troupe de Marisolt, ça a l'air pas mal ça. Ok, accepté. On a combien de places? 2 sur 3. J'essaye de garder un peu d'influence maintenant. Ça va, c'est pas très loin. Ça doit être des quêtes un peu aléatoires qui reviennent en fait sans cesse, je pense. Ok. On est de retour à vouloir du bois. Alors là, on a eu ça. On peut bien le vendre. Après le reste on garde pour le moment. Hache de lancer. Hache pour bois. Ok, 400, c'est pas mal. On va voir si je vole. Là il y en a 20 en fait. 65 à 105. C'est beaucoup. Alors, les trois lapins. Ok. 40 à 70, 45 à 80. Je dirais pas non pour voler tout le mouton, en fait. Tout le sel. Ça nous ferait 20 sel. Je vais voir, c'est combien le sel? C'est 2. Ça, c'est 6. C'est pas beaucoup en fait, c'est 40 quoi. Et par contre c'est un peu plus le lapin, le mouton pardon. Le... Ouais, le mouton, voler tout le mouton ça pourrait être intéressant. Ah tiens, prix réduit temporairement. On va tout prendre. Ok, par contre le sel. Vingtaine de sel, très bien. Je pense qu'on peut voler tout le mouton, honnêtement. Ça nous ferait... ouais, ça nous ferait des choses. 67, très bien. Ouais, voler tout le mouton. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va cacher le mouton. Hop. Très bien. C'est comme ça, avec ça, on peut... Bon, on n'en a pas 10, on en a 9. Donc du coup, on pourra en utiliser 8. Mais on peut faire les grands plats, en fait. Donc, ouais, ça fait de la bouffe. Mais c'est vrai qu'on devrait peut-être récupérer un peu plus de nourriture... en acheter un peu plus. Que là ça va, là on est retombé un peu dans les bonnes choses pour l'argent.
Mais il n'y a plus genre du sanglier ou des trucs comme ça. Donc on est un peu bloqué en fait pour la nourriture. Il y a du blé aussi. On n'a pas de blé. Moi, je voudrais bien du blé. Oh, attends, c'est quoi ça? Approchez, approchez. Démarcher. Parler des affaires du négociant avec le marchand. Ah, fais voir. Vous parlez de blablabla. Oui, il m'a déjà fait une proposition, mais je ne vends que les produits des paysans que je connais. Je ne vois pas pourquoi le commerçant avec un étranger. Menacer. Convaincre. Ok. On va attendre encore un peu. Ça marche, je vois ce qu'on peut faire maintenant. On va attendre d'avoir l'influence, je pense. Comme ça, on évite de se prendre la tête avec la loi. Ou alors, on essaye, on voit ce que ça fait, le problème avec la loi. Je sais pas trop. Ça fait 70 de plus quand même. Ça fait beaucoup en fait, et ça dure quand même longtemps. Parce que si on passait à genre à 110, 120, bon, ça va. Mais là, ça fait un peu beaucoup quoi. On va être à 150, je crois. Pas je crois, non. Mais ouais. sais pas. Je sais pas trop. J'ai envie de tester quand même. Hein. J'ai envie de tester. Je sais pas. J'ai envie de tester, qu'on voit un peu ce que ça fait d'être recherché. Bon, il y a beaucoup de lois qui se baladent, mais on va vite partir. On a le sprint de toute façon, fais voir un peu. Menacé. On a 157. N'aurons pas après tout, pourquoi ne pas commercer avec quelqu'un d'aussi respectable? Alors, j'accepte de lui acheter sa marchandise et de la revendre ici en son nom. En revanche, j'ai besoin d'une preuve, ce qu'il peut m'apporter. Je pense à ce superbe produit de Maheim, dont tout le monde parle avec courtoisie. Ah, des épices, ok. Niveau de recherche est élevé, plus la garde renforce ça, c'est pas trop. Vous êtes recherché pour la raison suivante. Vol, 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 vol. Vol, ok. Bon, on cherche la bête là. On cherche la bête. Ça, c'est des paysans. Ça doit verser, ça marche. On va la trouver la bête un jour ou pas? Sika Alpha. Niveau 4. 7 loups! Ça fait 10 loups en tout? Oh, ça va faire lourd. Ça va faire chaud. Bon, ils n'ont pas énormément de vie, ça va. Coup critique assuré si la cible saigne. Chaque attaque effectuée contre une unité sans armure lui applique saignement. Ok. Non, ça c'est le chef. Est-ce qu'on peut l'attraper le truc? Ah, par contre, je crois qu'on n'a pas assez de cordes, rien. Oh, fait chier. Ah, ça aurait pu être intéressant en fait. Je crois qu'on n'a pas assez de cordes. Je crois qu'on a nettement pas assez de cordes. Bon, eux, on peut les laisser courir. On peut se concentrer ici et faire un blocus en fait, comme on avait fait la dernière fois. Pour les animaux, on fait un peu tout le temps pareil, mais ça marche très bien donc. Après, c'est vrai qu'on aurait pu avoir, on aurait pu lui mettre du feu, comme ça elle brûle tout le monde en fait. Mais bon, je savais pas que ça avait des plein de vous, quoi.
Mais comme ça, ils se brûlent les uns les autres. Je sens que ça va être une horreur. Je sens que ça va très très mal se passer honnêtement. On va mettre Kirik. Kirik là. On va voir. T'as encore du mouvement? T'en as pas beaucoup. Est-ce qu'on pourra se remettre là? Je pense, oui. Très bien. C'est quand ils ont pas d'armure ou quoi ils ont pas. Non, c'est l'armure, ok. Donc c'est vrai que tout ce qui est ouais, animaux et tout, ils vont prendre cher. Ouh, ça fait mal. Pour le capturer, il faudrait se mettre à plusieurs en fait pour l'encercler, mais c'est un peu la merde. Je sais pas si je vais pouvoir en fait. Alors on devrait se débrouiller, ça va. Mais le ouais, le spécial, le loup spécial, ça serait intéressant de pouvoir le récupérer. Je dirais pas non. Je vois pas trop comment faire en fait. Oh, pas mal. Faire gaffe à l'ours parce qu'ils vont commencer à faire que des critiques sur l'ours en fait. Empoisonné, il est dans la boue, je crois. Non, il est pas dans la boue. On va voir si on peut le
l'encercler. Mais encore une fois, il faut que j'achète des cordes et des chaînes. Yes, 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 yes. Critique à foison. Très bien. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal? Oh, doucement. Non, le poney. Le poney, non. Oh, le con de poney, quoi. On va voir si on peut... Faut que le poney il parte quoi. Ok, on peut encore s'en occuper. Ok, on peut pas l'avoir, on peut pas l'attraper. Non, j'ai pas l'impression en fait. Glorieux. Non, on peut pas le bloquer. Enfin, on peut pas l'attraper, j'ai l'impression. C'est pas possible. Peut-être les alphas, si. Hémophile. Allez, Will, sauve le poney. C'est qui? C'est lui et lui. Lui, il est engagé. Ah, les loups normaux, ils font pas critique à 100%, c'est que les alphas, en fait. Coup critique assuré si la cible saigne. Ah, oui, oui, non, c'est ça, ça. C'est que les alphas, en fait. Ok, non, c'est bien ça. C'est bien ce que j'ai lu. Ok, on est bien.
Bien. Yes, bien, bien joué les petits. Je vais garder des points pour le pour le soin. Ah, toi tu peux soigner. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser en fait le point. Qu'on récupère un point. Elle peut se mettre là, tuer, ça fera un point. Yes. Pas mal. Ok. Non, la seule qui peut soigner, c'est elle. On va essayer de le bloquer avec Will. Très bien. Bien. Lui il va être bloqué, il peut rien faire, ça va. Oh la vache. On a deux personnes à sauver hein, quand même. Très bien. Ok. Luc 2, il faut sauver à tout prix le poney. Le poney il jouera plus tard, ça va en même temps. Ok, on devrait être bon, on devrait être bon. Saignement peut être un problème. Oh la vache. Ok. Alors, on voudrait d'abord soigner Poneyland. Voir le soin le plus loin là. Ça, ça fait mal. Donc, poney, il est soigné. Après, il y a toi qu'il faudrait sauver aussi. Donc. On va se mettre ici. Ok, maintenant, faut qu'on se fasse l'alpha.
pas mal. Ah, ça va faire critique assurée sur Kirik là. Après on peut jouer qui? Ça va. Kirik il est bon. Est-ce qu'on peut l'attraper ou pas, l'alpha? Non, on n'a pas assez de cordes. Voilà. On n'a pas assez de cordes. Donc il faut faire le plein de cordes aussi. La traque est terminée. On va se reposer. La traque est terminée. Ouais. Donc les loups alpha, on peut les chasser. Hein. On peut les capturer, c'est bien, ça serait bien. Alors, Dex, x2. Notre poney. Donc, non merci, un poney de guerre, c'est déjà bien. Un poney de guerre, ça suffira, parce que c'est quand même très très problématique. Ah, quoique, je dis ça, mais c'est vrai quand même qu'il nous a aidés. Donc, je sais pas trop. Alors, ça... Mouton, x4. Nickel. Notre équipement. Je crois qu'on est proche de la ville. Hein. On est très proche de la ville, donc honnêtement, on a qu'à se faire soigner et réparer en ville. Parce que ça c'est pas cuit. On a tout ça. Il y a 50. Ça c'est quoi? C'est du loup. 8 loups. Ah ben putain. Pas mal. Un truc qui fait 2. À part le raisin, quoi. On n'a pas besoin de bonheur. Ouais, on est bien là, on est bien. On va dormir. Eh ben, c'était un peu dangereux quand même. Hein. Si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers du guerrier que je suis devenu. Écrire aux proches, leur partager sa réussite. Accueillir ses progrès avec humilité, rester digne. Célébrer sa réussite avec le groupe. Will, c'est intéressant parce qu'il a trois personnes avec lesquelles il s'entend bien. Enfin, je dirais pas non pour l'influence, hein, c'est 50.
Mais dans un sens, je veux voir ce que ça fait, les relations. Je sais pas pourquoi il s'est lié d'amitié avec l'allée dominante, mais bon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah, j'hésite entre l'influence ou célébrer. Je pense qu'on va faire célébrer. Célébrer sa réussite avec le groupe. Comme ça, on aura plus un et on voit si ça bouge ou pas. Ça s'est amélioré. Ça marche. Et du coup, ça fait quoi? M précis. Ok. Ah, c'est pas influence avec tout le monde. C'est pas plus un avec tout le monde, par contre. On en a eu 2 sur 3. Donc il aime elle et il aime. Il aime... Bon. Ah. Vous savez, les animaux, hein, c'est des fois c'est mieux que les humains. Donc bon. Là au moins il fait les deux. Si elle est trop chiante, bah, on reste avec l'animal, quoi. Donc c'est pas si mal. Ouais, on va rentrer. C'est pas mal. C'est marrant. C'est marrant, ça se passe bien. Il me faut de la nourriture par contre. Allez, on continue. Hop là. On peut rentrer en ville. J'ai envie d'aller voir ce que c'est ça. Ah, pour la nourriture, ça devrait aller. Par contre, je veux bien aller voir ce que c'est ça. On est un peu abîmé par contre. Ah, j'ai un peu. Ouais, si c'est du combat, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il y a des loups. Non, ça ira. On va aller en ville, on va aller en ville. On va soigner tout ça, puis après on verra. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de garde par contre, parce que maintenant on est recherché. Ok, on est bon. Ouh. Alors, faut voir si on a des nouvelles missions. Parce que je sais pas si on est. Je sais plus si on est au max ou pas. On est à 3 sur 3. Ça marche. Le moyen du facile. Du difficile. Je suis quasiment certain que j'ai. C'était pas difficile. Je sais pas. C'est peut-être par rapport à notre. À notre. Comment dire, genre au moment où on est, genre là on n'a plus d'armure, on est abîmé et tout ça. C'est peut-être ça, peut-être à cause de ça. Soigné, très bien. Qui vend de la corde? Qui vend de la corde ici? Là on a quoi? Du miel et tout ça, ouais, non, mais j'ai pas du miel. On a 100 d'influence hein, et on pourrait prendre ça. Quelqu'un a besoin d'aide dans la tour abandonnée. En tout cas, c'est ce qu'il lui ont par les fenêtres. Vas-y, fais voir. Ça marche. On va réparer. Ok, 135 la prochaine fois. Attends, est-ce qu'on a des trucs à... Je pense pas qu'on ait des choses à vendre. On a tué surtout des animaux. On a toujours des objets, mais... Va falloir faire attention. On commence à on recommence à être un peu bas en vie, en fait. En vie, en argent. Laissez tomber. Laissez tomber en argent, c'est ça que je voulais dire. Ok, toi t'as pas. Non, ouais, non, par contre, il n'y a personne qui vend des cordes. Ça, c'est embêtant. En tout cas, ici. Au moins, il n'y a personne qui vend des cordes ici. Ça.
problème, c'est difficile à assassiner. Les troupes de... La troupe de Marisold, d'accord. Ça c'est facile, ça c'est post-frontière. On peut faire ça là, les deux là. Ouais, on peut se débrouiller. Est-ce que... On... Non, on va devoir se débrouiller. J'allais dire on achète de l'argent, de la nourriture, mais non, 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 on peut pas. On peut pas. Là, on est tout recherché pour du vol. Ah, maintenant ils sont rouges. Faire gaffe. Je vais prendre la corde directement. Comme ça, on sera en haut et on pourra faire notre mission. Elle a l'air facile. Donc là c'est vaincre les squads de Fulu, ça marche. Ok, là c'est peut-être eux. C'est eux. Ok, on l'a eu. Fulu, l'épouvantail. Les artificiers. Il y a des artificiers, ça va être bien. Aïe, 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 aïe. Là, on a le chef. Les deux sont en même, au même endroit, c'est déjà bien. Le poney, ah putain. Le poney, on va le mettre là. Parce que il risque de prendre cher. Et ils sont tous au même endroit, c'est chaud. Bloquer l'artificier en fait assez rapidement. C'est le calme qui va jouer, c'est lui. On a encore du mouvement, mais je crois pas que j'ai assez de mouvement pour me balader là. Par contre, ça m'embête de pas prendre lui. Hein. On peut faire ça. La meilleure des choses. Lui va me forcer. Putain. Merde. Pas assez de mouvement. Catastrophique, c'est bien. Ah, ça commence.
Oh merde, ça le repousse. Mal placé, c'est bien. Tout est mauvais. Tout est mauvais là, ça c'est. Là je suis content. Vraiment fun. Vraiment, vraiment fun. Les animaux, ils devraient se débrouiller là, avec ces deux-là, déjà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Pas prendre feu. Après, je sais pas si c'est une bonne idée de prendre feu. Oh là là. Il y a Kiri qui est dans la merde maintenant. Ah, il fait le tour et tout pour esquiver, c'est sympa. Non, va pas dans le feu, sérieux. Va pas dans le feu. Parce que là, c'est bon, j'en ai ma claque déjà. J'aurais dû peut-être faire ça, on aurait eu plus de points. Ok, très bien. Il est où Will? Will il brûle. Ok, c'est pas mal là. Ordre tactique. Assommer avec des chaînes. 4,59%. Toi t'es un mec avec une mâche. Merde, ça a loupé. Ah, a manqué. Une seule action, fait chier. Tiens, ça t'apprendra. Vas-y, fous le feu, Will. Voilà, tant qu'on y est.
Tant qu'on finisse tout ça très vite. Aïe 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 aïe. Non, 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 non. Ok. Pour le moment, ça va. Faudrait bloquer l'artificier. C'est la merde. C'est un peu la merde quand même. Mais je vais le déloger en fait. Maintenant, je préfère qu'il tire une fois que. Je préfère qu'il tape une fois le poney que deux fois en fait. Là, on a une chance de toucher 8, donc on va pas le faire. Ah là il bouge plus. Ok. Très bien. Ok, nickel. Ah, le casse-couille. Le bon casse-couille. Bon, lui, il peut s'enlever le poison. Le feu, pardon. Donc, qui c'est qui est engagé avec? Il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui sont engagés en fait. Ça l'engage ou pas? Non, ça l'engage pas. Ok. Ok, 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 ok. Un archer, enfin un artificier. Est-ce qu'on en a besoin d'un archer supplémentaire? C'est pas vraiment le type de personne qu'on a besoin en fait. Après, artificier, je sais pas si c'est intéressant. Je sais pas si ça vaut le coup en fait de l'attacher le mec. Hein. C'est pas vraiment du tout. À la limite, un mec comme un pillard serait plus intéressant. Ah non, c'est un marteau bouclier. Non, il nous faudrait eux. Les soudards en fait. Il faudrait un soudard.
clés. Lui, il va mourir. Ça va, elle devrait pas faire trop mal. HP. Il y a Will qu'il faut soigner, j'imagine. On va se bouger un peu. Je peux me mettre à côté d'eux pour leur foutre le feu. À la limite. Ok, pas mal. Il a repris feu, mais c'est pas grave. Ouf. Pas mal. Non! Je voulais le bouger, putain! J'étais con! Je voulais le bouger, j'ai fait passer le tour. Oh là là, comment je. Je le fais souvent, ça. Ah bah d'accord, super. Il y a lui qu'on pourrait essayer de d'attraper, mais maintenant, c'est un peu la merde. Peut-être une idée. Ah, voilà. 100%. Yeah, let's go. Yeah, vas-y, vas-y, étrangle, étrangle. Nickel. Bon, faut en finir là. Alors, toi t'es engagé à personne, toi t'es engagé. Oh, yes. J'aime bien parce que même les couleurs à travers le décor, les couleurs des silhouettes des personnages sont du rouge et du bleu, du vert, j'ai... Non, bleu, je crois. Du coup, on peut voir. Pas mal. Rien faire. Ah, quoique. Je voulais essayer de le déplacer. Je voulais essayer de le déplacer, je fais de la merde. Encore une fois, comme d'hab, hein, je fais toujours de la merde, c'est bien. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai à faire terminer au lieu de ça? Je sais pas, il faudrait le mettre de l'autre côté, j'en sais rien. Tout prendre. Ok, quand même le crâne contrat augmenté de 10%. Vous avez terminé les scores. Okay. Là, il y a une sorte d'esprit ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai à chaque fois? Ouh, des loups là. Alors, ça c'est quelqu'un a besoin d'aide dans la tour abandonnée. La tour abandonnée, elle est quoi? Elle est au-dessus? Elle est là. Ah, on peut monter par là, donc on peut descendre. Ah là là, il va falloir vraiment que je fasse attention, moi, de...
10% de se faire attaquer. Faire attention de passer mon tour et de bouger en fait. Parce qu'à chaque fois je commence à faire de la merde. 324. Par contre, est-ce qu'on peut pas bouger un peu plus? Du coup, c'est quoi qui nous menace? Après, dans le sens, je voudrais bien continuer la mission. Donc du coup, ce serait plus de ce côté-là. De toute façon, on va devoir se taper les 10%, c'est pas grave. Alors là, on a quoi? Oh! Oh, 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 bon! Armure à 22. Critique 3. Alors... Critique 2. Critique 2... Tu vois, non, là on a 14 critiques, 14... Toi t'as 21. Si tu peux faire tout le temps du critique, honnêtement, c'est pas mal. Voilà. C'est très bon. Je vois un peu notre mec là. Alors, notre femme plutôt. Soudard niveau 4, hors la loi. Et donc elle fait de la hache. On peut faire la bûcheronne. Constitution augmentée de 5%. Ok. Elle est blessée. Donc elle peut pas. On va bien la traiter. On va la mettre là. J'aimerais bien que tu te places comme ça. Compagnon à proximité. Pas si le loup, l'ours il est pas trop près en fait. 80%, voilà, c'est bon. Hop. Voilà, c'est pas mal là. Donc on a une autre mission qui est proche. Possession en os qui sourit à pleines dents. On a une autre mission qui est proche, donc je voudrais pouvoir peut-être enchaîner en fait sur ça. On a encore 2 jours de provision. Pourquoi pas, et on peut se... prendre ça. On peut... réparer les choses et tout ça. Alors. Voilà. Ok, nickel. Alors, toi, t'es un peu plus choisi à effectuer une activité, ça va, ça peut attendre. Volontaire est du 2 moitié, ça peut attendre. Bon, toi, pour l'instant, tu bouges pas. Dégâts subis doublés. Ça, c'est un problème, par contre. Va falloir protéger le poney à tout prix. Va falloir protéger le poney. Toi, on a combien? On en a 20, ça va, on peut se permettre. Tout le monde a pris très cher en fait en armure. Faut qu'on garde l'équipement pour elle, donc par exemple ça, on va le garder avec avec toutes les haches et tout ça. On est pas mal. 3 sur 4. On peut la mettre à la tente, non?
Capacité d'évasion 40%. Et là. Voilà. Alors, troupes reposées, compagnie impressionniste, ok, c'est bien. Feu de camp. 5, ok, tout est bon. Vos troupes s'agrandissent, vous pouvez désormais nommer un second lieutenant parmi vos compagnies. Oh oui, putain, j'avais complètement oublié. Mais je crois que c'est 100. Ah, mais on l'avait déjà fait, le lieutenant, je suis bête. Lieutenant, c'est lui. Oui, il a l'ordre tactique. Qui est pas extrêmement utile. En fait, je l'utilise mal, je pense. L'allié adjacent ciblé effectue une attaque d'opportunité contre son adversaire engagé. En fait, faudrait. Ouais, Men, elle va être second lieutenant, je pense. Ouais. Fais voir, toi. Moi, 1, jour 9. Appréciez la proximité des compagnons, malgré tout, bien nourri. Ok, très bien. Libéré, non. Ok. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Je pense qu'on est bon, on peut partir. On va essayer de faire le reste de la mission. Je veux voir, en fait, dans la tour, là. Par contre, il y a des loups qui rôdent. Faut faire un peu attention. Ouais. On est bon. J'ai pas envie de me faire les loups, je veux faire la tour là. Tour abandonnée. Alors que se passe-t-il? Alors, pitié, détachez-moi. Les hommes de l'AR peuvent revenir d'un instant à l'autre. Ils veulent me ramener à Edoran. Je ne suis pas dangereux. Ils me recherchent parce que j'ai déserté. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font aux artisans dans la région d'Arte. Ils continuent de nous traiter comme des esclaves. Ok. Alors, merci, je trahirai peu importe qui, pourvu que ce soit pas le comte. Mais croyez-moi, je suis un très bon forgeron, je peux faire des miracles. Laissez-moi vous accompagner, mercenaires, c'est peut-être pas de quoi vous payer, mais les forgerons sont rares par les temps qui courent. Mon patron donnera cher pour moi. Oh, on peut le donner à la ville? Peut-être. C'est pas un forgeron pour nous, en fait. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ou pas? De la menthe. Ouais, c'est un civil en fait. Oui, il nous aide pas. Il va pas combattre en fait. Ok. Ça marche. C'est pas un mercenaire en fait. On va se faire arrêter, non? Non. Bon bah, good. Présent d'un déserteur dans votre troupe risque d'affecter. Je sais pas, j'ai pas eu quoi. Ok, faut faire gaffe aux déserteurs. Enfin, faire gaffe aux loups et faut faire gaffe parce qu'on a un déserteur. Oh là là. Oh là là, on est bon. Go. Non. Compagnie des sorts, non d'Elona, l'œil, le compte demain, livrez-nous le forgeron, accepté. Non. Putain, pourquoi je me suis arrêté?
Oh, un moment, je me suis arrêté. Oh, j'aurais pu les esquiver. Non, on le garde. Par contre, est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce qu'il y a le poney? Ah, je peux me soigner avant le combat. Ça, c'est bien, ça. Bon, le poney, allez, à la limite, c'est pas grave. Non, c'est bon. C'est quoi un sapeur? Ça fait du feu? Ah, donc c'est ça en fait, c'est des troupes spéciales de l'autre comté en fait, qui recherchent le prisonnier, le fugitif. D'accord. Donc on a. Toi. C'est quoi ça? Ordre de tir, cible une zone, effectue une attaque d'opportunité contre le premier ennemi qui traverse la zone. Les attaques de cette unité font également perdre 5% en santé d'unité touchée. Ouh la vache. Qu'est-ce qu'on a là? Différentes de coups infligés. 4 fois 7 dégâts. Là on a interception. Se désengage, charge en ligne droite, inflige du point à toutes les unités au chemin appliquant ralentissement. Ah, c'est ce que j'ai. Oh la vache. Maintien de la ligne, inflige un dégât cible à repousse de 1 mètre. Vulnérabilité, applique, critique. Oh là là. Ok. Qui est le chef? C'est le lancier. Ok. Je pense qu'on va se mettre tous de ce côté-là et on va les laisser venir petit à petit. Peut-être que les loups, les deux, là, ils peuvent les bloquer un peu. Après, on a Will qui peut faire le boulot. Will. Le poney, on le laisse derrière. Il y a lui là. Oh là là, ça casse ces deux-là. Oh, putain. On est très mal placé en fait. Attends. J'avais pas besoin de 4. Ouh! Très bon. Très très bon. Merde! Attends, c'est qui est derrière? Ah, oh, je crois que c'est Wit. Le mec avec l'épée. Ah putain, le poney! Déjà tué le chef. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais un slash quand tu tapes. Attends, tu fais que de l'interception?
D'accord, en fait ça fait que de l'interception, c'est chelou. Ah, c'est chelou, c'est relou, plutôt. Donc. Le chef, à la limite, on peut attendre. Le truc qu'on peut faire, ce serait. Aller faire chier. Cadeau. Parce que lui, il faut qu'il bloque les archers en fait. Faut que je me rends compte que maintenant, ça devient intéressant, c'est de bloquer tout ce qui est archer et tout. Voilà, très bien. Lui, il peut prendre des petits dégâts comme ça. Pas de problème. À travers. Bon, ça va. En fait, c'est qu'ils peuvent toucher plusieurs cibles, c'est ça le problème. Solitude qui va bien booster ses dégâts. On va essayer de. On va essayer de. Je pense. Non, je suis pas bon. Est-ce qu'on a gagné un point ou pas? Je crois pas. Hein. Habilité. Oui, t'es trop loin, c'est pas grave. Complètement oublié dans le coin, lui. Complètement oublié. On va supporter nos amis. C'est marrant ces coups d'épée en fait qui repoussent. Il y a vraiment n'importe quel type de style de jeu quoi, c'est intéressant. Ah c'est bien, lui on peut demander à l'archer de. Non, attends, il faudrait que je la mette dans un endroit pour qu'elle puisse tirer, mais je crois pas qu'elle va pouvoir. On peut faire ça. Après, je peux la bouger. Oh! Vous avez évoqué le titre brave parmi les braves. Ok. Ah, parfait. On n'a pas de chaîne.
faire mal. Eh ben. Ah, on les défonce les légionnaires là, c'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal. Bon, faudrait qu'on se tape l'archer. Plus que lui, à jouer. Ça va. J'avais un peu. C'est plus peur que de mal en fait, quand même, les soldats là. Ça va, ils sont pas énormes, énormes. On peut pas les capturer de toute façon, les légionnaires et tout. On n'a pas. Pas les chaînes, faut vraiment qu'on prenne des chaînes. Ouh la vache. Ouais, bonne chance avec l'ours. Ouais. Bonne chance. Bon ben voilà, fallait pas vous chercher. Ouh, nouvelle épée. Oh non, t'es sans déconner. Mon nombre de crimes ne laisseront pas partir sans payer une amende. Vous devez rendre. Vous avez volé, équipement compris, combattre. Attends, fais voir. Ouais, non. Payer 156. Rendre les objets volés. Qu'est-ce qu'on a volé? Ce qu'on a volé, c'est surtout les choses qu'on a utilisées au final. Après, il y avait une. Il y avait une clé. Vas-y, rendre. Rendre l'ensemble de vos objets volés. Équipement compris, oui, oui. Quand j'arrive, mon nombre de crimes. Ils ne sont pas partis sans payer une amende ou de rien de personnel. Je fais juste mon boulot. Quoi? Un de vos compagnons sera tiré à la courte paille pour porter le chapeau et sera envoyé en prison. Je crois qu'on va payer. Ouais, ouais, putain. Eh ben, bon, c'est pas grave, on a rien perdu de grave de toute façon. De toute façon, il n'y avait pas d'équipement qu'on avait volé. Ce qu'on avait volé surtout, c'était. C'était de la nourriture qu'on a transformée. Après, dans le coffre, il devrait plus rien avoir. Ah non, oh, la clé ouvragée, elle a été. Ok, cool. Ouais. Bon, c'est un peu bête, ça fait perdre 150 quoi, mais bon. On va se faire payer. Oh, on a la somme d'inverser. Ah, ça tombe très mal. Bon, de toute façon, on pouvait pas combattre. Ça, c'est certain. Attends, fais voir le forgeron. Tiens, on a un forgeron là.
Est-ce que t'es content? Livret, matériaux bruts, récompense promise. Cherche à embaucher un forgeron. Clé civile. T'as demandé à un forgeron de mener un réfugié recherché par un comte. Très bien, il travaillera dans l'arrière-boutique, mais ne dites pas ce qui suit. Ok, ça marche. Yes! Bon, ça se passe. Ça se passe. Alors, fais voir ce qu'on a eu. On a eu une épée qui fait interception. Je sais pas ce que ça fait interception. Alors, se désengage et charge en ligne droite. Ah ouais, mais c'est ce qu'il faisait en fait. Donc du coup, on pourrait faire que interception. Ah non, mais c'est relou quoi. Après, c'est les mêmes dégâts. Sauf que là, on pourra plus. Si on a interception, on pourra plus s'engager avec lui. Et j'avoue que ça nous aidait en fait d'être engagés. Après, dans un sens, c'est plus facile de toucher plusieurs cibles. Et de le déplacer. Parce que là, on a le truc pour toucher plusieurs cibles, nous. Là, on peut tester. On peut tester. Ça va changer le style de jeu, par contre. Nommé lieutenant. Ça nous ferait 100. Ah, ça va être touché par la troupe en tant que lieutenant, second lieutenant. Second lieutenant sert pas grand-chose sur Will, l'ordre tactique. Kirik, ça c'est bien. Motivation des troupes, c'est vraiment bien pour Kirik. Pour elle, ça devrait être mieux parce qu'elle doit se placer à côté des amis. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Du coup, on pourrait vendre cette épée. Ah oui, l'armure, on avait dit qu'on la gardait pour l'autre. Tabouret de veille. Ok. Ouais, on va pouvoir faire des hameçons et tout ça. Je crois qu'on va faire un peu de d'argent comme ça parce que là on est un peu dans la merde. Il faut qu'on se soigne. Il faut qu'on se soigne. Il faut qu'on. Ça va, t'es heureux toi? Tu vois nos le bordel que ça peut être. Alors. Oui, on a un plan là, c'est quoi? C'est bricoleur confirmé. Confirmé, c'est. Ah, maintenant on a érudit. Peut déchiffrer le codex et reconstituer des antiquités lutrin du camp. Ah, on a érudit. Bon, c'est pas un érudit ou c'est pas un alchimiste qu'il nous faudrait pour le moment, c'est un mec qui coupe du bois. Donc, c'est pas pour maintenant. Je peux en faire 10. Bien. Réparer notre équipement. Ça, ma question réparée, ça marche. On a 34. On a 34 de réserve, il faudrait aussi pouvoir en. C'est quoi les matériaux de réparation? Répare 5 points d'armure. Restauration de Tilren. Mais la restauration de Tilren, on l'a déjà. Hein. Donc du coup, je crois que ça sert à rien. Quoique, peut-être que c'est celle-là. J'en sais rien. Ah oui, non, si, c'est ça. Fais voir si on vole. Il y a très peu de chances que ça va 105 quand même. 78, ça va.
Alors du coup... Ah, oh, c'est une spéciale. Les matériaux de réparation réparent 5 points d'armure supplémentaires. D'accord. Donc là, on partirait sur du 20 par matériau. Donc on peut faire 25. Points d'armure et pas 21. Ok. Ah oui, par contre, on a eu des... comment ça s'appelle? Des titres. J'aime bien ce qu'on vient de payer parce qu'on est des voleurs et maintenant on est reparti dans le vol direct. Elle apprend pas de tréel par contre. Parce que vu que c'est un archer, elle fait pas grand chose des fois. J'ai envie de dire. Seconde ligne. Résilience, c'est très bien. Elle a queue costaud. Constitution augmentée de 5%. Elle pourrait faire une sorte de second tank en fait, si elle est bonne. Lui, il reste avec les grandes épées. Et elle prend. Ah, en fait, elle fait comme Kirik. Genre un second tank, ouais. Mais bon, faut qu'elle soit heureuse, quoi. Alors. Faut qu'on soigne aussi, faut qu'on récupère notre argent. Et faut qu'on se soigne. Merci. Ah voilà, facile. Vous voyez, je pense que ça change, en fait, la difficulté change, ou par rapport à un événement mondial, genre le monde change, je sais pas, genre il y a plus de troupes que d'habitude, ou alors si c'est parce que on était mal en point. Genre, on n'avait pas d'armure quand on avait regardé la dernière fois. Je pense que c'est ça. Alors, ça. Ok, cool. Les crocs de Sika. Ouais, ça aussi, il faut les ramener. C'est ça, on a fini. Les crocs de Sika, c'est un objet? Ou c'est ça? Je pense pas. Hein. Enfin, non, les crocs de Sika, c'est le nom de la quête, j'ai rien dit. Non, pas la taverne. Ça. Nickel. Voilà, une ouverte, on a 200. Il nous faut de la nourriture aussi. Ou alors, faut aller chasser. Mais genre du porc, quoi. Du sanglier. T'as du mouton. On va en faire deux. Comme ça, c'est plus du bœuf qu'autre chose. Ok. Je pense qu'on est bon. On va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on a juste ça. Les troupes. Les troupes. On peut faire les deux. On peut peut-être enchaîner les deux. Ce serait bien. De toute façon, les réparations, là, c'est bon. On a fait un petit stock, du coup, depuis. On a 34. Là, c'est la nourriture qui manque. Mais à la limite, là, on pourrait peut-être trouver des loups ou des sangliers. Des sangliers à bouffer, ouais, ça serait bien. Comme ça, en plus, si c'est du porc, on peut le cuire. Donc, on va faire ça. On va dormir. Et on est bien là. Alors, très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, il nous faudrait. On peut mettre des. On peut cacher des choses dans le coffre. Du coup, je suis en train de me demander. Coffre de camp. Est-ce qu'on gagne en poids ou pas?
123. On va voir, 123. Ça m'étonnerait, hein. Oui, non, ça m'étonnerait. Par contre, c'est plus dans notre inventaire normal. Donc, du coup, c'est bien. Enfin, c'est bien, de façon de parler. Enfin, voilà, c'est moins le bordel. Et ça, c'est des choses qu'on peut garder après pour elle, si elle reste. Et l'épée, je la garde pour le moment. Je pense que c'est peut-être mieux, parce que là, on a une nouvelle épée pour Wheat. Elle fera plus de dégâts en théorie. C'est juste que, ouais, on va plus pouvoir engager, donc c'est un problème. L'engagement est un tout petit problème, en fait. On essaye à chaque fois de se débrouiller, mais c'est un peu un problème. Donc, faudrait que elle devienne de à notre équipe, quoi. Alors, 3 sur 4. Quand. Ah, très bien, parce qu'on n'a pas besoin du coffre. Faible. De toute façon, ici, on mange toujours bien. Ici, on mange toujours bien, faut dire. On peut peut-être en garder un. Enfin, on peut peut-être essayer de manger le reste. Une bière. Non, la bière on la garde. Voilà, un rat. Ce sera pour le prisonnier, le rat. Les gens, on a un repas, du mouton, machin. Genre là, on a du mouton, des champignons, du poisson, du gibier, tout ça. Et après, on va donner un petit rat au prisonnier. Hein? Voilà. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien comme ça. Mais ouais, il va falloir vraiment qu'on chasse. Vraiment qu'on chasse. Voilà, très bien. Deux, très très bien. Nickel, tout le monde est content, personne n'a à parler, c'est très bien. On est à 68 en recherche, c'est cool. On est bien, on a. Mais ouais, elle, ça peut être, ça peut, comme j'ai dit, ça peut vraiment être une intéressante. On lui met un nouveau métier. Et après, on lui met. Elle faudrait qu'elle soit coupeur de bois, la bûcheron. Et après, on aurait érudit et alchimiste encore qui reste. Et encore deux métiers cachés. Pas, non, mais non, non, bûcheron en fait. C'est bûcheron qui manque. Je crois que quand elle sera débloquée, quand elle sera plus prisonnière, je pense que ça va. Après ça, apprécié malgré tout. Ok, c'est que du bien. Faut qu'elle fasse confiance en fait. Faut qu'elle continue à faire confiance. Bon, pour le moment, elle est toujours prisonnière, mais si on fait libérer, ça la balance dans les airs, donc c'est la merde. Je pense qu'il faut attendre et après, au bout d'un moment, elle va être confiante et peut-être qu'elle va rester avec nous du coup. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.